I might find my way out. One path leads to sacrifice, one path leads to shame, one path leads to freedom. They all look the same. There were roads I never traveled, there were turns I did not take, there were mysteries I left unraveled, but living you was my only mistake. Living you was my only mistake. Living you was my only mistake. Bravo. Bonjour messieurs, aujourd'hui je suis ravie et émue d'accueillir sur Tribune Libre le poète et le survivaliste Francis Lalanne et Piero San Giorgio. Bienvenue. Est-ce que c'est pas un peu un pléonasme même? Peut-être. Poète et survivaliste. J'ai eu peur qu'il allait dire la belle et la bête. Hein. Peut-être qu'il y a de ça. Moi je pense que le survivalisme et la poésie se ressemblent, je pense. Et bien justement, c'est ma première question, qui est assez simple. Qu'est-ce qui vous rapproche? La recherche de la vérité, et surtout, je pense, la recherche de ce qui s'approche le plus de l'étincelle primale. Enfin, je parle sous ton contrôle. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi on crée? On crée parce qu'on ressent une émotion, et que une fois qu'elle a été ressentie, on a besoin de la partager. Et comme tout se passe en nous, il faut extérioriser cette émotion. Et donc, on va avoir recours à la peinture, on va avoir recours à l'écriture, bref. Mais on va se heurter à quelque chose qui est insurmontable. C'est que on n'atteindra jamais la pureté de l'émotion qui nous pousse à le faire. Et on tend vers ça en utilisant des méthodes de réflexion, d'investigation, d'écriture, de ce qu'on appelle le techné en grec. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On essaye de se rapprocher au maximum de l'émotion pure qui nous a poussé à vouloir la partager. Et on n'y arrive bien sûr jamais totalement. Mais pour ça, on a recours à des artifices, on a recours à des moyens, etc. etc. Et je pense qu'en fait, cet état qui nous conduit à vouloir reproduire quelque chose d'unique, c'est ce qui nous fait survivre, en fait. C'est ce qui nous aide à survivre. Parce que c'est ce qui nous fait nous rapprocher en permanence, ou chercher à nous rapprocher en permanence de l'émotion primale, de la vérité. Pour moi, l'émotion primale, c'est la vérité. Enfin, je sais pas. Ah, c'est vrai que nous... Tu sais, l'être humain est un être fantastique avec à la fois une partie émotionnelle, une partie peut-être irrationnelle, qui moi je trouve fantastique et riche, mais aussi une partie cérébrale, rationnelle, réfléchie. Et souvent on les sépare, on veut en faire une dichotomie qui est malsaine à mon avis. Nous devons accepter et vivre avec les deux, vivre avec le côté artistique, poétique, tout autant que la réflexion, et trouver cet équilibre entre ces deux forces primordiales, le mot que tu as utilisé est très juste, et que ce soit dans le combat politique, et je vois que dans ce livre de poésie, tu as repris, sous cette forme de poétique, énormément de combats dans lesquels tu as participé ces dernières années, qui sont nobles, qui sont utiles, qui sont importants, et qui touche, tu m'as fait part du fait d'avoir lu mon premier livre, j'en ai écrit d'autres depuis, mais j'étais vraiment étonné, je ne savais pas,
et que Je le... suis jamais un parmi des millions. Hein, voilà, bien sûr, non, mais bien entendu, on ne peut pas avoir ton niveau de culture sans lire. Et inversement, quand on parle par exemple de la peur, mais pas seulement, on doit travailler sur cette émotion, on doit travailler sur cette pulsion qui est en nous, qui nous veut du bien, mais aussi utiliser la réflexion. Et parfois, on est dans un monde trop cartésien, on est dans un monde trop qui nous pousse à la réflexion, et on a besoin de se ressourcer à nos racines émotionnelles qui nous amènent à cette. Alors, pour certains, l'art, pour d'autres, la créativité, ce sont des choses non exclusives, et pour d'autres, voilà, l'action. Et cette action, elle peut être pour nous, pour nos familles, nos enfants, nos proches, et puis, je dirais, in fine, l'humanité, mais nous devons la maîtriser pour nous. Et nous avons dans ces émotions notre part d'émotions positives, notre part d'émotions négatives, notre part de pulsions animales, notre part de pulsions égoïstes, violentes parfois. Et la modulation de tout cela, comme on peut moduler un instrument de musique, et savoir utiliser un son qui peut-être en soi est pas beau, mais combiné devient une harmonie, une mélodie. Et c'est ça la vie, en fait. Et moi j'étais fasciné de qu'on puisse se rencontrer, parce que comme je te dis, j'ai entendu parler de toi depuis longtemps, et j'ai trouvé tes combats les plus récents qui méritent des éloges, et il y a un courage qu'il faut remarquer, qui est remarquable. Donc je suis un peu sous le trac de ça fait souvent ça. Et je comprends mes fans, ce qu'ils ressentent parfois. Je plaisante. L'humour aussi, c'est une sorte de mélange entre intellect et émotion. Et bref, tout ça, ce sont des éléments qui nous font vivre, parce que quand on parle de survie, en réalité, on essaie de trouver une vie meilleure. Ce n'est pas juste la survie animale au fond des bois traquée par des bêtes sauvages. Il y a un tout petit peu de ça, mais c'est moins de 1%. L'essentiel, c'est de constituer une vie indépendante, libre, en dehors de l'oppression, en dehors de la tyrannie, si c'est possible, de plus en plus, en dehors de la souffrance, en dehors de la guerre, et en dehors de la souffrance qu'on pourrait éventuellement faire subir aux autres. Ça aussi, c'est très important. Enfin, voilà. La notion de survie, elle intervient quand la vie est menacée, d'une certaine manière. Mm-hmm. Et en fait, c'est... Qu'est-ce qui menace la vie, en fait? C'est son terme, l'idée de son terme. Et en fait, le point que l'on cherche quand on crée, c'est celui-là. C'est le point qui va mener l'instant au-delà de l'instant. Comme la survie mène la vie au-delà de la vie. C'est en ça que je trouve qu'il y a une démarche qui est commune entre la volonté de survivre, c'est-à-dire de perpétuer et d'aller au-delà d'une limite, hein, qui est celle qui se présente à la vie, et entre le fait de pouvoir reproduire un instant magique, qui a été celui de l'entendement au moment où on a créé en soi une émotion, et de vouloir la recréer, c'est-à-dire de la surcréer d'une certaine manière. La création, c'est faire survivre, d'une certaine manière, le moment vécu. C'est lui donner une vie en plus. Je crois que c'est Zulawski qui disait que le cinéma, en fait, n'avait qu'une vertu, c'était de conserver l'image de nos morts. Et un poème, c'est une manière de conserver un instant mort, au-delà de sa vie. Je vois beaucoup de points communs entre ce qu'on appelle la survie et ce qu'on appelle la poésie, ou la création, hein, de manière générale. Cette action qui nous pousse à projeter la vie au-delà de la mort, et de le faire dans l'existence, c'est-à-dire de pouvoir en être témoin, de pouvoir le partager comme on le partage là. C'est pour ça que j'ai jamais voulu séparer l'action poétique de l'action politique, parce que on ne peut pas se contenter de dire « Faucon Yaka » et rester assis dans son fauteuil. Et je pense que c'est pareil pour toi. Mmh. Tu t'en tiens pas à tes livres. Il y a des conférences, il y a la pédagogie que tu vas mettre dans l'explication de tout ce que tu as trouvé, au sens poétique du terme, trouvé. Hein. Trovare. Trovare. Le trovador, c'est le trouveur, celui qui trouve, hein, en occitan.
Et on disait pas créer à cette époque-là, on disait trouver. Le trouveur, c'est le pendant du chercheur. La posture scientifique, c'est celle de la recherche. Mais le poète, il est très, comment dire, il a l'outrecuidance, lui, de vouloir trouver et pas de vouloir chercher. Lui, il se projette dans la finalité, directement dans la finalité. Je trouve, pas je cherche. Moi, je ne me sens pas, alors c'est peut-être outrecuidant, mais moi, je ne me sens pas du tout un chercheur. Je me sens un trouveur. Parce que tant que j'ai pas trouvé, je ne suis pas poète. Voilà. D'ailleurs, vous êtes deux passionnés du langage. Que pourriez-vous dire de l'évolution du langage, notamment aujourd'hui en Occident? Je pourrais t'en parler peut-être précisément déjà en parlant de ma langue, la langue française. Mais là aussi, je parle sous ton contrôle, mais il me semble, pour voyager beaucoup, que quelles que soient les langues modernes, elles vont et elles sont précipitées par la société de la peur vers l'appauvrissement, pas vers l'enrichissement. La société de la peur a besoin de tout appauvrir, a besoin de réduire les connaissances, a besoin de réduire la possibilité d'exprimer ce qu'on ressent. Et on voit bien dans nos sociétés qu'on n'apprend plus aux enfants à écrire, on ne leur apprend plus à lire, on leur apprend plus à dire. Et petit à petit, le spectre des mots utilisés se réduit. Il se réduit de plus en plus. La langue s'appauvrit. J'étais frappé de la manière dont elle s'appauvrit dans les pays anglo-saxons. Parce que prenons l'Angleterre, par exemple. On sait très bien que la langue anglaise a beaucoup plus de mots de vocabulaire que la langue française. Et bien, quand on est en Angleterre, on s'aperçoit que les Anglais, qui ont un outil beaucoup plus performant que le nôtre, hein, que la langue française, ben, ils connaissent pas plus de mots en moyenne que les Français moyens. C'est-à-dire que les mots dont on se sert, qui sont souvent les mots qui servent à commercer, hein, les mots les plus usuels possibles, matinées de mots d'argot qui sont là pour briser le langage et pas toujours pour l'enrichir, ben le nombre des mots utilisés se réduit. Et se réduisant, les gens ne pouvant exprimer tout ce qu'ils ressentent avec des mots, ben se mettent à sombrer dans la frayeur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, Orwell en parlait brillamment dans son livre d'anticipation, enfin qui n'était pas censé être l'anticipation, mais un avertissement, 1984, avec cette idée de novlangue, new speak. Et les mots permettent les concepts. Au début était le verbe, disait Saint Jean, je crois, sauf erreur, dans l'évangile. Le monde existe par notre représentation, disait Schopenhauer. Dans la Genèse, Dans la le Genèse, livre de la ça, c'est dans la Genèse. Genèse, je crois. C'est juste, c'est juste. Et en tout cas, si le monde est une représentation de ce que nos sens et notre cerveau en font, nos concepts et nos idées ne peuvent exister que par les mots. Et ça, c'est souvent instinctif, et pas toujours compris, mais ceux qui nous veulent du mal le comprennent très très bien. Et si déjà Orwell en 1947, quand il écrivait 1940, 1984, c'est ça, oui, s'en rendait compte, c'est que cette inspiration ne lui est pas venue de rien. Il a travaillé dans l'intelligence, avec l'intelligence britannique, il a été à la guerre d'Espagne. Il avait déjà le pressentiment de ce qui était en train de se tramer, parce que la domination est un sport vieux comme le monde, malheureusement. Et aujourd'hui, on a la technologie qui se met par-dessus. Et je suis curieux de voir comment l'intelligence artificielle, par exemple, qui n'est que, Une je, connaissance voilà, artificielle. qui ne sont que des systèmes experts, comme on les appelle en informatique, et j'en ai entendu parler depuis que je suis petit. Dans ma famille, on était enfin, mon père était dans l'informatique, donc j'ai pu en accéder à ces embryons de systèmes experts à l'époque. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence dedans, il y a beaucoup d'artificiel. Mais il y a beaucoup de connaissances. Mais beaucoup de connaissances Il et de faut pas qu'on, il rapidité. faut pas confondre l'intelligence et la connaissance. Exactement. Et de beaucoup de rapidité de calcul qui permet effectivement de faire des transcriptions de textes, même des traductions.
Et je découvre ces systèmes, par exemple, de traduction automatique, parce que je travaille beaucoup en anglais, c'est ma langue peut-être la plus utilisée pour moi, ce qui explique mon français qui est un peu... Très bien, très Qui, bien. bon, c'est gentil, mais c'est vrai que ma langue maternelle est A l'italien. posto, a posto. La mia lingua materna è italiana. And I work in English all of my life. Et donc, peu de gens se rendent compte que l'anglais est une langue incroyablement riche. Il suffit de lire Shakespeare, mais qui le fait dans le texte chez nous, malheureusement. C'est plus enseigné à l'école. Il y a deux fois plus de mots de vocabulaire dans la langue anglaise que dans la langue Et française, faut elle le nous savoir. permet une richesse de concepts et d'expressions. Alors, en off, on avait parlé de la langue allemande, et c'est vrai que il y a une capacité à créer des concepts dans la langue allemande, parce qu'on peut assembler des mots pour en faire des mots à tiroir qui veulent Schadenfreude, Weltanschauung, qui sont des mots qui nous permettent de tout d'un coup de cristalliser un concept complexe en un seul mot. Qui est unique, par exemple. Je ne connais pas bien les autres langues, à part ces quatre, en fait. Mais c'est fascinant. Et la linguistique, et pour ça, je salue notre hélas vieux ami qui se dépère un petit peu dans ces histoires de Covid, qui est Noam Chomsky, qui pourtant avait fait un travail à la fois extraordinaire dans la dénonciation des méfaits de l'Empire américain. Tout empire nécessite la critique, mais aussi dans son travail de linguiste. Où il avait travaillé comment la neurologie et le langage en fait sont indépendamment sont indépendants de la génétique, ce qui n'était pas intuitivement évident à l'époque où il a développé ses idées. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer sur ce point-là. Et il y a quand même pas mal d'années. Et c'est vrai que le langage est absolument fondamental pour pouvoir être libre. Si nous n'avons pas les mots de nos concepts de liberté, même démocratie et autres, nous ne pouvons pas devenir un être humain complet et libre. Et surtout, ne pouvant dire, on sombre dans la peur. Et la violence. Et la violence. Le fait de ne pas pouvoir dire crée une angoisse, cristallise des peurs, fait remonter des peurs qui sont celles de l'enfant, puisque l'enfant ne peut pas dire encore. Il est livré à ses peurs. Et en même temps, ce qui est effrayant, alors pour le coup, c'est de voir que une langue mise à la disposition d'un peuple ne lui sert plus, ne lui apporte plus ce qu'elle devrait lui apporter, c'est-à-dire le pouvoir de s'extraire de la peur, justement, par le pouvoir de s'exprimer. En français, c'est moins spectaculaire qu'en anglais, je trouve. Parce que la langue anglaise offre des possibilités que la langue française n'offre pas. En fait, il y a pratiquement dans la langue anglaise un mot pour chaque chose. Prenons le mot, le verbe aimer. En français, on aime sa mère, on aime le boudin, on aime jouer, on aime dormir, on aime manger. En On aime sa anglais, femme, on aime ses enfants, voilà, on c'est aime. pas la Oh, même bah, chose. c'est pas pareil, mais pourtant c'est le même mot. En anglais, par exemple, you like chocolate, you love your mother, and you adore God. Et du coup, quand vous dites I adore chocolate, là vous êtes déjà en situation de poésie, Oui. puisque vous allez déplacer un mot qui est affecté normalement à l'adoration divine, vous allez l'affecter au chocolat. Donc vous allez faire à ce mot qui n'est pas destiné Cette fonction-là. à cette fonction-là, vous le déplacez, vous lui donnez une autre fonction, et donc là, vous créez un espace dans le langage que vous ne pouvez pas créer si vous n'avez pas cet outil à votre disposition. Or, Et qui est même drôle, comme la langue anglaise permet de le faire. puis en anglais, vous pouvez rajouter I do love my mother, I do like chocolate, I do adore God, c'est peut-être un peu trop, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qui est intéressant dans la langue, c'est quand elle nous permet de placer le mot dit au-delà de ce qu'il dit, mais au-delà de ce qu'on veut lui faire dire. En fait, le langage est une arme à double tranchant, parce qu'il y a rarement dans ce qu'on dit ce que l'on veut dire. Je donne un exemple. Si je vous dis, tu sais, mon vieux, plus je te fréquente, moins je supporte les cons. Est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est méchant?
Hein? Plus je te fréquente, moins je supporte les cons. A priori, bah, ça peut être gentil, ça peut être méchant, parce que qu'est-ce qui va nous donner la réponse à cette question? C'est le contexte. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, mais pas ce que les mots disent, parce que ça peut vouloir dire t'es tellement con que plus je te fréquente, moins je les supporte, ou t'es tellement intelligent que plus je te fréquente, moins je peux supporter de fréquenter des cons. Ça veut dire exactement l'une de ces deux choses ou l'autre. Voilà. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce qu'on ne peut pas s'en tenir aux mots. Il faut briser le langage, il faut recontextualiser en permanence le langage, il faut expliquer ce qu'on dit au moment où on le dit, il faut faire l'effort d'aller chercher la langue partout où elle nous permet de trouver une information à donner à l'autre. C'est ce qu'on fait plus, parce que maintenant on est dans des mots qui sont des sacs, des fourre-tout, qui servent à tout, donc qui servent à rien. Et du coup maintenant, on ne se parle plus quand on se parle. Soit on s'agresse, soit on. Mais le mot dit, hein, en deux mots, hein, c'est vraiment c'est la malédiction du maudit pour le coup. Il ne dit plus rien. Et donc, je crois que notre rôle à nous, ton rôle d'écrivain, mon rôle de poète, c'est de faire en sorte qu'il se remette à dire quelque chose. Et pour ça, il faut briser le langage. J'ai une petite question qui me vient, c'est que je t'avais découvert quand j'étais très jeune avec cette magnifique chanson que tu avais composée pour ce film, je crois que ça s'appelait Le Passage, qui traitait si je me souviens bien, du thème de l'amour et de la mort. Eros et Thanatos. Exactement. Et d'ailleurs, comme on aime le grec, Oui. d'ailleurs pour le verbe aimer en grec ancien se décline au moins en six verbes différents. Oui. Qui différencie l'amitié, l'amour filial, l'amour des dieux, l'amour charnel et passionné, et l'amour qu'on peut avoir envers la patrie, la nation, ou même encore l'amour des enfants. Et donc, lorsqu'on touche les thèmes de la mort et de l'amour, qui sont évidemment la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, et on a des enfants, on sait à quel point ce sont les peurs les plus terribles qu'on peut imaginer, parce qu'on le projette tous potentiellement, surtout quand les enfants sont petits, ils commencent à marcher, ils se baladent, il y a peut-être une fenêtre ouverte, ou une piscine, oula, on a cette angoisse qui vient en nous, de cet instinct de protection qui est naturel. Toi qui écris ces chansons magnifiques, ces poésies qui a l'âme d'un poète et qui est évidemment avec une sensibilité sur ces choses-là, comment la poésie, l'écriture, le vocabulaire peut nous aider à faire face aux peurs, notamment à la peur de la mort, selon toi? Moi, je pense qu'on a peur de tout ce qu'on ne peut pas nommer. Et c'est vrai que depuis qu'on nomme la mort, on arrive à la surmonter. On arrive à la. Comment dire? À l'affronter. Ce qui est intéressant dans ce mot, c'est quand on se met à parler, par exemple, le langage des oiseaux, la mort, elle a mort, il y a dans l'idée de la mort une rémanence de l'idée de l'amour. D'ailleurs, c'est de la mort que naît l'amour ou de l'amour que naît la mort. Les premières bactéries, elles se dupliquent. Donc elles ne meurent pas. Et puis un jour, elles se reproduisent. Et du jour où les premières bactéries se reproduisent, elles se mettent à mourir. C'est intéressant. Cette espèce de couple, Eros et Thanatos, ce couple de l'amour et de la mort qui finalement est l'expression absolue du cycle de la vie, hein, de cette vie qui finalement est faite pour être dégradée, hein, et qui permet à notre âme, pour ceux qui y croient, de circuler d'un état de conscience à un autre état de conscience. Je trouve que la poésie, l'expression de nos peurs passe par le langage.
Et en fait, je pense que plus on arrive à dire et à mettre des mots sur ces émotions, hein, qui appartiennent au monde de l'informulé, plus on arrive à le formuler et moins on en a peur. Plus on arrive à vaincre ou à diminuer cette peur, cette angoisse existentielle. C'est une constante. Les gens qui ne savent pas dire, qui ne peuvent pas dire, qui ne peuvent pas exprimer, ont plus peur que les autres. Moi, je vois dans la faculté de pouvoir formuler ce qu'on ressent une façon de lutter contre la peur. Voilà. C'est comme un face-à-face entre deux miroirs, en fait. C'est comme un miroir qui regarde un autre miroir. Que voient les miroirs qui se regardent? S'ils sont des miroirs. L'infini. Voilà. Tu as dit le mot. C'est vrai. Simplifier le langage, est-ce que c'est pas aussi amputer les individus de leur capacité à penser de manière nuancée de l'infini? Sans conteste. Sans conteste. C'est les rendre stupides. Tout à l'heure, Pierrot parlait de la nécessité d'avoir plusieurs mots pour décrire l'amplitude d'une notion, d'un concept. C'est fondamental. C'est C'est la fondamental. fabrique du crétin. Volontairement. Il y a un type que très peu de gens connaissent, qui s'appelle Voronoff. Tu as entendu parler de Voronoff? Je connais Machination Voronoff, mais c'est une BD Voilà, non, non. de Blake et Alors, Mortimer. qui était Voronoff? Alors, Voronoff est un type qui, à l'époque de nos parents et grands-parents, pour moi, mais enfin, bref, il a trouvé à un moment donné, pour les vieillards, bobocrates, qui n'arrivaient plus, à avoir d'érection, il avait trouvé un système qui consistait à leur greffer des testicules de singe, de bonobo, de babouin, enfin je ne sais pas. Et donc il greffait des testicules de singe à nos vieillards qui retrouvaient une vigueur sexuelle. Il a gagné énormément d'argent en faisant ça. Tout le monde se bousculait, si j'ose dire, dans son cabinet pour se faire transformer l'appareil génital. Et puis un jour, il y a eu un problème, une opération qui a mal tourné, un gars qui y est resté, enfin bref, il y a eu des mauvais bruits sur son business et il a été ruiné. Voilà, je vous raconte un petit peu qui est ce monsieur parce qu'en fait, on ne se souvient absolument pas de lui pour ses travaux-là, et puis ça a été abandonné, hein, cette histoire. Voilà, ça a duré un temps, mais il a gagné beaucoup d'argent et puis. Et puis après, ça a été plus compliqué pour lui. Mais alors, je vous parle de lui parce que ce garçon a écrit un livre. C'est pas un des plus grands auteurs de l'histoire du monde, hein. Mais il a écrit un livre que j'ai lu et qui est un très bon livre et qui s'appelle Du crétin au génie et où il nous explique en fait qu'entre la construction psychique et la structure même psychique de ce qu'on peut appeler un crétin et un génie, il n'y a pas de grande différence en fait. Ce qui fait un génie n'est pas très différent de ce qui fait un crétin, c'est d'ailleurs pas différent du tout. C'est un petit peu la même. Un génie et un crétin, ils pensent de la même manière et ils sont dans la même configuration psychique selon Voronoff. Et c'est très bien expliqué dans son livre. Et ça nous renvoie aussi à nos vices de constitution, je dirais. Et ça nous renvoie aussi à nos différences de mammifères. Et quand je parle de ces différences, par exemple, je parle de la nôtre, Stéphanie. Toi et moi ne sommes pas du tout le même animal. Pas simplement parce qu'on n'a pas le même Je appareil. confirme. Pas simplement parce qu'on n'a pas le même appareil génital, pas simplement parce que tu ovules tous les mois et que moi j'ovule toutes les heures, mais aussi parce qu'on n'a pas le même cerveau.
Toi, tu vois les couleurs d'une certaine manière, moi d'une autre. Ce que tu vas voir plutôt orange, moi je vais le voir jaune. Ce que tu vas voir plutôt bleu, je vais le voir vert. Enfin, il y a toutes ces différences entre nous, hein. Mais la principale différence, c'est qu'on n'a pas le même cerveau. Et ça, c'est le professeur Israël qui l'a très bien démontré dans ses travaux sur le cerveau gauche et le cerveau droit. En fait, il a démontré que chez la femme, il y a une confusion entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu d'analyse dans l'émotion des femmes et un peu d'émotion dans leur analyse. Et il y a confusion. Chez l'homme, c'est séparé, la partie de l'analyse et la partie de l'émotion. C'est pour ça que on est très différents. C'est-à-dire que les hommes ont une facilité finalement à pouvoir isoler l'émotion et l'analyse que n'ont pas les femmes. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout les mêmes animaux. C'est pour ça que nous, par exemple, on a une vision comme ça à 180 degrés, alors qu'une femme aura plutôt une vision devant elle. C'est pour ça que nous, les trois quarts du temps, on ne voit pas ce qu'on a devant le nez, sous le nez. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que toute forme d'expression de la constitution générique des choses, que ce soit au niveau de la physiologie, au niveau de l'intellect, au niveau de, je dirais tout simplement, de la configuration charnelle de l'être humain, tout ça est quelque chose qui nous perturbe en permanence, qui perturbe nos relations en permanence. Et on ne nous apprend pas que nous sommes perturbés par tout ça. On ne nous apprend pas finalement à être conscient de ça. Et c'est à l'origine des trois quarts des problèmes qu'il y a entre les êtres humains. C'est qu'ils ne savent pas en fait. C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, il pense qu'il est malade. Il ne sait pas que le grand maximum de l'accoutumance physiologique d'un fumeur de nicotine, c'est 15 jours, allez, 3 semaines à tout casser, mais qu'au-delà, ce qui va lui manquer le plus, c'est le geste. C'est pas, il, c'est, son sang ne lui réclame plus la nicotine depuis un moment. C'est l'accoutumance comportementale, gestuelle. Ouais, 3 semaines. Voilà. Mais si tu expliques à quelqu'un qui s'arrête de fumer, qui n'est pas malade, qu'au bout de 3 semaines, il n'est plus en manque physiologique. Franchement, ça va l'aider. Il va moins avoir peur. Il va se sentir plus, enfin, davantage capable d'affronter ça, tous les manques que lui occasionne l'arrêt de la cigarette. Reste une question. C'est les enfants des patients de Voronov grimpent-ils très très bien aux arbres? Eh bien, tu vas nous écrire un livre là-dessus. Les enfants de Voronov. Les enfants des patients de Oui, des Voronov, patients de parce que Voronov. Voronov n'a pas essayé sur lui. Coquin. Pour en revenir à l'idée que, par exemple, un homme et une femme sont assez différents, donc le relativisme, l'idée que tout se vaut, finalement, c'est une erreur, c'est s'éloigner du réel. Complètement. Ah, oui. Et puis le cortège des réactions en chaîne issues de nos différences devrait au contraire nous attendrir. Et on devrait beaucoup moins s'en vouloir de nous affronter. On peut pas vivre. C'est une. Sans parler de l'aspect sexuel, parce que ce serait pas trop facile, mais quelle magnifique combinaison que l'homme et la femme, quelle magnifique harmonie quand ça fonctionne. Et même quand ça fonctionne pas, c'est enrichissant en réalité si on a un peu si on est capable de mettre la distance. Et Dieu sait que c'est pas facile. Mais quelle incroyable complémentarité, quelle incroyable beauté dans la différence de ce que l'homme et la femme peuvent apporter, ne serait-ce que dans une famille et dans l'éducation de leurs enfants. L'homme n'apporte pas les mêmes choses que la femme. La femme est beaucoup plus concernée, forcément, elle porte l'enfant 9 mois en elle, elle l'allaite, elle en est à la fois la victime, puisque
Bien sûr, pendant des millions d'années de notre évolution, les femmes devaient porter les enfants, elles étaient plus vulnérables face aux prédateurs. Nous sommes plus vulnérables par rapport aux maladies, nous les hommes d'ailleurs, mais. Leur espérance de vie était beaucoup moins Hélas, importante, hélas, oui, hélas. les morts en couche arrivent. Et donc l'homme est nécessaire pour protéger le groupe, la troupe de d'hominidés, et l'amour justement, et cette invention incroyable que la nature ou le divin nous ont mis dans la tête pour qu'on ait, même par exemple, une chose incroyable, c'est pourquoi l'orgasme, l'organe qui nous motive à être là plutôt que d'aller chasser le mammouth parce que c'est sûrement plus fun que de rester à la maison. Et oui, et pourtant on a cette motivation qui peut devenir obsessionnelle parfois. Et savoir trouver encore une fois, moi je suis j'adore ce concept grec d'éviter l'hubris et trouver le cosmos, l'équilibre. Je crois que cosmos veut dire équilibre en grec. Et c'est dans tous les domaines de la vie et cet équilibre justement à rechercher. Et encore une fois, Dieu sait que c'est pas facile. Et que c'est dans le chemin qu'on trouve le bonheur plus que dans l'arrivée, la destination après tout, on sait pas où elle est. Mais ce cosmos, cet équilibre entre hommes et femmes, cette complémentarité qu'on recherche est fascinante. Je dis ça, j'avais écrit un bouquin sur les femmes, c'est un bouquin qui n'a pas eu beaucoup de succès, c'est celui peut-être qui a eu le moins de succès parmi mes livres, qui était Femmes au bord de la crise, où j'essayais d'expliquer que les femmes sont fragiles face aux crises qui arrivent, et qu'elles ont intérêt, au lieu de, je veux pas généraliser, c'est pas les femmes, mais certaines femmes qui sont dans cette trop grande volonté d'indépendance, trop grande volonté d'être fortes et indépendantes, mais sans les hommes, mais rejeter les hommes et chasser les hommes, comme malheureusement on peut le voir dans certains excès du féminisme, eh bien, oublie que le monde d'aujourd'hui très confortable est relativement sûr, il périclite, il va peut-être changer, et que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de notre. L'homme sans les femmes vivrait dans un taudis sans décoration, sans rien, à part des gens qui ont un peu cette sensibilité féminine. Je crois que nous l'avons un petit peu. Mais beaucoup d'hommes sont un peu bruts et c'est comme ça. C'est pas une critique, c'est juste comme ça. Et donc on a besoin de la femme qui nous adoucit, qui fait qu'on l'écoute et qui va obliger qu'on l'écoute et qui va nous faire en sorte qu'on soit des hommes meilleurs. Et inversement, nous apportons peut-être un peu de rigueur, un peu de tempérament à l'émotion qui est magnifique chez la femme, mais qui parfois peut l'emmener oui, mais parce que nous sommes des animaux, des machines biologiques avec des hormones, avoir des hauts et des bas d'humeur plus fréquents que les nôtres, plus forts que les nôtres, qui ont des raisons pour exister, mais qu'on peut tempérer en tant qu'homme. On peut les rassurer, on peut dire, écoute, je suis un roc, accroche-toi à moi, ça va bien se passer. Sur la douceur, je pense que ça peut. Ben, pour moi, l'image de la femme qui serait liée à celle de la douceur n'est pas forcément l'image la plus, je vais dire, qui représente le mieux forcément la femme, comme l'image de l'hystérie qui provient du mot utérus et qui serait l'apanage des femmes n'est pas non plus tout à fait pertinente. Ce que je veux dire, c'est que tous les éléments qui composent la nature humaine et qui vont de la douceur à la violence, en passant par qui peut aller jusqu'à la folie même, toutes ces formes d'expression de l'âme humaine qui se traduisent dans la relation homme-femme, je pense que c'est une bipolarité permanente. Et elle ne peut exister que si on accepte le principe des différences. Ces différences, d'ailleurs, n'étant pas toujours les mêmes. Il y a des femmes violentes et des hommes doux. Bien sûr. Mais, en fait, ce qui est très important, c'est que la femme soit différente de l'homme. Ce qui est très important, c'est que on n'abolisse pas ce principe-là, ce principe générique de la différence homme-femme. Il faut que cette différence se pérennise dans notre civilisation. Et la volonté de vouloir abolir cette différence est, je ne veux pas employer de trop grands mots, mais
ne mène pas notre humanité sur le bon chemin. Il y a quelque chose de criminel là-dedans. Et surtout quand on veut aujourd'hui imposer cette vision à nos enfants. Je trouve que là, on a atteint un point de non-retour. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Chacun fait ce qu'il veut de son âme. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais je fais partie des gens qui s'opposent au fait qu'on veuille créer une humanité unilatérale, une humanité non-genrée, ouais. Quoi, vous voyez. Il y a dans la langue française, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de genre féminin et masculin. Ça, c'est une perversion abominable, hein. On ne le trouve pas en Asie, mais parce que ça n'existe pas. C'est d'ailleurs ce qui nous conduit aujourd'hui à cette catastrophe qui s'appelle l'écriture inclusive. Il n'y a jamais eu dans la langue française de genre masculin et de genre féminin. Ça, c'est une invention de l'école de Jules Ferry, de la Troisième République, avec toutes les horreurs qu'a inventé la Troisième République pour dresser les gens les uns contre les autres. Mais il y a toujours eu dans la langue française un genre neutre et un genre marqué. D'ailleurs, je veux dire, je suis un homme, mais je suis aussi une personne. Est-ce que je dois dire demain que je suis une personne parce que je suis un homme et que un serait le genre masculin et une le genre féminin? Non, non. Quand on parle français, on doit savoir que cette invention féminin-masculin, ça n'existe pas. Ça existe dans les rimes. Et ça a toujours existé dans les rimes, mais ça n'a jamais existé dans la langue française. Il y a des rimes masculines et des rimes féminines. Et alors, le paradoxe, c'est que c'est la rime féminine qui a un appendice supplémentaire, hein, et la rime masculine qui n'a pas cet appendice supplémentaire. Je m'explique. Un, ça s'arrête au N, mais une, c'est prolongé par le E muet. Et cette prolongation de la consonne par le E muet s'appelle une rime féminine, d'accord? Mais donc, ça montre bien que ça n'a pas de rapport, hein? Parce que si on devait comparer le principe de la rime féminine et de la rime masculine au sexe de l'homme et au sexe de la femme, c'est une qui devrait être la rime masculine et un qui devrait être la rime féminine. Donc, il faut arrêter tous ces amalgames qui ne servent finalement qu'adresser les femmes contre les hommes, hein. Regardez, moi je suis un homme et je porte un collier. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, ça fait partie des manipulations qui sont faites pour conduire les êtres humains à avoir des relations négatives. Ça fait partie, moi aussi, des choses que je combats, hein, tous les jours. Parce que voilà, et c'est pour ça aussi que j'écris. C'est pour remettre l'église au milieu du village. Le langage est un des outils de l'ingénierie sociale, à part entière, un des meilleurs. Un des pires. Hélas, et il faut sinon résister, recréer notre monde en dehors de cette manipulation. Le bateau Occident semble ivre et prêt à être coulé. Alors messieurs, comment faire pour le sauver ? Je crois qu'on ne sauve pas ce qui doit mourir. On peut reconstruire quelque chose de nouveau. Je dis souvent, lorsque j'ai rencontré notre cher ami Eric Zemmour, c'est pas le mien. Non, mais tu vas voir, je suis allé l'écouter et c'est quelqu'un de très gentil en privé et très cultivé d'ailleurs, et oui. J'apprécie cet aspect-là. Et je lui disais, cher monsieur, je ne trahis pas une discussion privée, puisqu'il y avait beaucoup de gens dans cette salle lorsque nous avions discuté. On ne va pas recréer la France de 1960. En revanche, on peut créer la France de 2060. Et par extension, je dis la Suisse aussi, ou l'Europe, ou l'Occident, ou le monde. Tout change constamment. À la cinquantaine, je commence à voir un petit peu, à avoir la perspective qui me permet de prendre du recul et d'être moins passionné par ces choses-là. Le monde change et il y a du bon à prendre dans tout, mais il faut aussi combattre ce qui est mauvais, et j'en parle, combattre le mal.
C'est pour ça qu'il faut l'identifier. Mal avec un grand M. Changer la langue, c'est potentiellement très dangereux, donc on peut se battre contre. Sauf si on l'enrichit. Exactement. Moi, par exemple, si je me permets de t'interrompre, oui. Moi, je remercie les banlieues de nous avoir donné, par exemple, le mot kiffer, qui enrichit notre langue. Et c'est pas nouveau. Fric, ça vient d'Algérie. Oui, bien sûr, mais bon, dans la langue française, il nous manquait le like, le like anglais. Et pour moi, le kiff, c'est le like anglais. Ouais. Voilà. C'est moins fort que aimer. Voilà. C'est ça. Ça nuance. Ça nuance un petit peu. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que notre monde moderne, parce que l'Occident, c'est une des versions de la modernité, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il était il y a 50 ans, il y a 70 ans, il y a 100 ans. Nietzsche disait qu'un monde qui meurt, encore faut-il le pousser dans l'abîme. Mais pour reconstruire quelque chose de nouveau, plus sain, plus équilibré, c'est ce que je cherche depuis une dizaine d'années avec mon travail. Ce n'est pas de retenir ce qui est mourant. Il faut laisser mourir les cultures, les choses qui ne fonctionnent pas. À l'évidence, on est arrivé à on parlait tout à l'heure de trop de rationalité, pas assez d'émotion, trop de scientisme. Ce qui n'est pas la science, hein. Le scientisme, c'est une forme de religion qui remplace d'autres. Pas pour revenir au catholicisme de 1950 ou de 1850 ou de 1250. Recréer quelque chose de nouveau avec de la spiritualité, des émotions, de la réflexion, avec les cultures. Faut prendre ce multiculturalisme, en combattre les mauvais aspects. Les aspects d'uniformisation, absolument, qui sont terribles. On va partout dans le monde maintenant, on a des McDonald's, on a des trucs, on n'est pas obligé d'y aller. Mais on n'est pas obligé d'y aller. Pour l'instant, on n'est pas encore obligé de manger des insectes. Ça viendra peut-être. Mais enfin, c'est le plan, en tout cas, pour beaucoup. Mais de prendre les richesses du monde entier. J'ai eu la chance, comme toi, de voyager dans le monde entier, de découvrir des cultures extraordinaires. Alors, je préfère qu'elles soient différenciées, mais si maintenant on nous oblige à les mélanger de plus en plus, qu'on prenne le mieux de chacune et pas le pire. Et ça demande de l'effort, ça demande du travail, rien ne se fera automatiquement. Donc on ne va pas se battre pour reconstruire l'Italie ou la France ou l'Algérie de 1950. Mauvais exemple pour l'Algérie ou le Maroc de 1300. Il existait déjà, il y a bien longtemps. Non, on va devoir travailler à construire, non pas le mélange forcément, mais le mieux de chacun. Et c'est du travail, hein, c'est du boulot. Les équilibres géopolitiques de tout temps, ils ont obéi à des lois morales, mais ils ont aussi obéi à des lois guerrières, ils ont aussi obéi à des lois climatiques, ils ont aussi obéi à des lois, j'allais dire, concernant les maladies. Je veux dire, regardez ce qui se passe avec l'Empire romain. L'Empire romain... La peste de Justinien. Avant la peste de Justinien, il y a eu la peste de Marc Aurèle et de Lucius Verus. Entre 165 et 169, il y a la peste ravage l'Empire romain. Et au moment où la peste ravage l'Empire romain, tout d'un coup, les barbares vivant de manière limitrophe aux frontières de l'Empire romain se rendent compte que ils peuvent battre les Romains, qu'ils peuvent rentrer dans l'Empire, faire du butin, repartir. Et en même temps, du coup, face à tout ça, il faut faire marcher le commerce. Il faut faire marcher le commerce. Il faut imprimer. Là, on n'imprime pas des billets à l'époque. On imprime des sesterces, des deniers En grattant l'argent, mais en grattant plus, l'argent, c'est, je veux dire, c'est d'abord vous aviez l'aurélien en or, vous aviez le sesterce en argent, et puis vous aviez encore une monnaie. Il y avait le denier et le sesterce. Voilà, c'est ça. Et donc ces monnaies-là, alors la monnaie or, elle restait or, mais on avait de moins en moins d'argent parce qu'il fallait imprimer de plus en plus. Alors quand vous prenez les monnaies au fil des siècles à Rome, il y a de moins en moins d'argent dedans. Puisque je crois que c'est l'antoninien qui était en zinc, en fait, à la fin. Donc,
et tout ça. Et le pire de tout, tu parlais de l'affaire de Justinien. L'affaire de Justinien, c'est incroyable. Justinien, qui n'était pas un type très bien, Justinien, mais à un moment donné, il veut reconquérir l'ancien empire romain. Il part, ça marche très bien. Il reprend l'Afrique assez rapidement, et puis il marche vers il a Sicile, et puis c'est vrai, il va vers Rome. Et un jour, comme ça, tout d'un coup, le soleil ne se lève plus. Et le soleil ne se lève plus parce qu'en 536, il y a une éruption volcanique en Islande qui va faire baisser la température du monde de 2 degrés. Et derrière, en 540, il y a encore un volcan qui explose. En 547, encore un volcan qui explose. Ça a été la période la plus glaciale j'allais dire des deux derniers millénaires, oui, probablement. Probablement. Et de ce qu'on sait, hein, parce qu'on a carotté tout ça, on a pris les 1815 aussi qui était un peu comme ça. Alors 1815, le volcan Tambora, effectivement. Et j'en parle dans mon livre. Hein, je raconte comment, en fait, personne ne sait que le vrai vainqueur de Waterloo, c'est un volcan. Ça. C'est un volcan. C'est pas Wellington et Blücher qui étaient. Et les Rothschild en bourse. Voilà. Non mais c'est pas vrai. Wellington et Blücher n'ont fait que fuir devant l'armée française à la bataille de Ligny. Ils partent en courant. Mais le problème, c'est que comme ce volcan, ça, alors le Tambora, ça a été en Indonésie la plus immense explosion volcanique de l'histoire de l'humanité. Hein. Celle d'il y a 60 000 ans. Non. Celle du volcan en Islande en 536, ça c'était vraiment très très gros. Ça fait baisser la température de 2 degrés. Ça détruit les récoltes. Tout. Je ne veux pas te couper. Excuse-moi. Mais celle de 1815, hein, c'était en avril 1815, et Waterloo c'était en juin. Et en 3 mois, toute la stratosphère est recouverte. L'Europe connaît une année sans été, il n'y a pas d'été. La Chine connaît la sécheresse, la mousson passe en Europe, l'Antarctique tout d'un coup ça ouvre des voies qu'on ne connaissait pas, on a pu explorer l'Antarctique, la conquête de l'Ouest c'est à cause du volcan Tambora, parce que les terres deviennent arides, alors il fallait chercher des terres qui partent à l'Ouest et voler les terres des Indiens, enfin, et même Marie Shelley a écrit Frankenstein. Parce que dans la villa où il venait avec Lord Byron passer l'été, il a plu pendant tout l'été, ils sont fait chier pendant tout l'été, et du coup ils ont fait que gratter du papier, il a écrit Frankenstein. C'est hallucinant ce qu'un volcan peut déclencher. Ouais. Alors juste pour Waterloo, il a plu pendant tout le mois, c'est-à-dire que Napoléon, lui, ne gagnait toutes ses batailles par la puissance de son artillerie légère, c'est-à-dire l'artillerie à cheval. C'est-à-dire que c'était comme un capitaine d'équipe de foot, il allait du front droit au front gauche et il faisait bouger ses canons et les gars savaient plus. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il gagne à Austerlitz, il met ses canons sur le plateau de Pratzen et du coup, il oblige les Autrichiens à s'enfuir sur les lacs gelés, il tire à boulets rouges sur les lacs gelés, il anéantit. Bon. Mais là, à Waterloo, les Anglais fuient, mais on peut pas balancer l'artillerie pour les terminer. Donc, les Français n'en peuvent plus, les généraux n'en peuvent plus, ils en ont marre de courir après des gars qui fuient, et à un moment donné, ils font des conneries, ils donnent la cavalerie, mais les chevaux s'enlisent parce qu'il y a de la boue, donc les Anglais tirent aux pigeons sur les chevaux arrêtés, enfin, c'est n'importe quoi. Mais tout ça pour vous dire que le plus grand empereur, plus grand guerrier du monde, a été vaincu par un volcan. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que tu parles de la fin de l'Occident, mais si ça se trouve, regarde tout ce qu'on a vécu. Le climat se modifie, obligeant les gens à migrer. Les crises économiques changent les équilibres dans les échanges entre les pays. Les maladies bref, c'est pas, je pense que nous devons accepter et nous devons lâcher prise par rapport aux grands mouvements géopolitiques qui nous dépassent et qui ne sont pas le fait de l'activité humaine proprement dite, mais le fait de la façon dont l'activité humaine va gérer la vie du monde. Et la vie du monde, c'est pas que la volonté humaine qui en décide. Un simple volcan peut changer la vie du monde. On dit, je crois, je ne sais plus dans quelle culture, mais je l'ai entendu dans plein d'endroits, on dit l'homme fait des plans, Dieu rit.
Et moi, je suis pas forcément dans le mysticisme, forcément, mais c'est vrai que le travail le plus important est au fond celui qu'on fait sur nous-mêmes. Parce que nous, comme le pensaient les stoïciens, au moins nous-mêmes, qui on est, comment on réagit aux choses, ça on peut le contrôler. Tandis qu'effectivement, qu'un volcan, on l'a vécu il y a quelques années avec ce volcan islandais qui nous a pourri les voyages en avion. Et mes collègues étaient, je me souviens, j'avais ma petite entreprise, tous mes collègues étaient, et mes employés étaient coincés aux États-Unis, ils ne pouvaient plus revenir en Europe. Ils ont dû faire des cheminements impossibles, très chers. Mais enfin, on peut en revanche travailler sur comment on réagit aux choses, comment on voit les choses de manière positive. On rate un rendez-vous, on divorce, on a une catastrophe personnelle, c'est triste, on a les émotions, on les gère, et on rebondit. Et parfois on fait des conneries, Et parfois on les connaît. parce que bon, là, on va pas reparler du Covid, mais si pardonnez-moi de reparler de Rome, mais par exemple, aux alentours de 251 à peu près, l'empereur en fonction, c'était Caracalla, je crois, il fait des termes, il construit des thermes Lui partout. aussi, il n'était pas très sympa. Non, il n'était pas très sympa, mais il construit des thermes. Alors c'est là, et donc il y a cette espèce de religion de la propreté qui s'empare des Romains, qui ont besoin de tous se laver dans les thermes, qui sont des gigantesques thermes, Ils sont extraordinaires, magnifiques. magnifiques. Mais tout le monde, avec ses microbes, vient se tremper dans la même eau. L'eau n'est pas traitée, on ne sait pas ce que c'est qu'un microbe, on ne sait pas ce que c'est qu'un virus. Et à ce moment-là, se répandent des maladies qui se seraient jamais répandues sans les thermes. Donc les thermes, c'était plutôt une bonne idée de dire aux gens, lavez-vous, là, il faut se laver, il faut être propre. Mais là, en l'occurrence, la fameuse épidémie dont tu parlais, c'était très probablement, on le voit aujourd'hui, et à travers les textes, par exemple, les descriptions qu'en fait Galien, par exemple, c'était pas forcément la peste. C'est, je crois, de la variole, La hein. variole, C'est ça. ouais, c'est parce que ils décrivent ces pustules qui sèchent, ça, et qui correspondent vraiment à la C'est variole. la même chose pour la peste d'Athènes, qui n'était pas une jeune fille mal élevée, mais qui était donc qui était décrite par Thucydide dans la guerre du Oui. Péloponnèse, où effectivement elle a ravagé à la fois les armées assiégeantes spartiates, mais surtout les Athéniens, où les gens, parce qu'ils avaient bien vu que les gens commençaient à tomber malades, et ils allaient tous dans le temple d'Apollon, qui était le dieu de la médecine, et tout le monde venait là pour prier le dieu pour pas tomber malade, et tout le monde tombait malade parce que les malades et les valides se retrouvaient au même endroit. Et voilà, c'est malheureusement comme ça qu'on apprend, c'est par la difficulté, par les drames, mais c'est très juste d'avoir ce recul face à... Même quand c'est vrai qu'aujourd'hui, être complotiste, c'est plutôt bien vu, puisque nous sommes en avance de 6 mois sur la réalité Sur la et sur réalité. l'actualité. Néanmoins, il faut faire attention de ne pas tomber dans le complotisme pour le plaisir du complotisme et pour le plaisir de penser avoir raison avant les autres. Il faut avoir toujours... Voilà, c'est ce mélange d'instinct, d'intuition qui nous fait dire, là, on est en train de nous arnaquer, mais aussi de raison, de réfléchir et de ne pas aller dans le fantasme qui nous incapacite. C'est juste comme mot en français qui nous rend J'aime bien incapacite. Inventons le mot inventons incapacite. ce mot. On a besoin de Si. mots, on a besoin de mots. Incapacitate Inventons des mots. Inventons des mots. Qui nous immobilise et qui nous met dans l'immobilité, alors que nous pouvons travailler pour bouger, pour agir. Moi, je suis très pragmatique en réalité parce que j'aime que les gens, et encore une fois en commençant par soi-même, agissent pour prendre en main et leur destinée, même si ça ne peut être qu'illusion, mais en tout cas qu'on ait ce travail pour avancer, pour s'entraider les uns les autres, pour faire en sorte qu'on ne se fasse pas avoir. Et puis aussi, on peut se faire avoir par nous-mêmes. Et là, je reviens à ton livre sur la peur. C'est-à-dire que dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on va chercher forcément une raison dans l'imagination. Je pense par exemple, voilà, la peste arrive à Rome avec le triomphe du consul qui ramène l'Apollon aux cheveux longs du temple qui a été détruit au terme de la campagne qui a été menée par les Romains.
Les gens vont dire, on a brûlé ce temple, on a enlevé la statue d'Apollon, on l'a ramené, on a humilié les dieux, et les dieux nous punissent. Si on, voilà, j'ai l'impression, non mais, si on pouvait éviter, là, maintenant, au 21e siècle, de penser comme ça, ce serait bien. Et j'ai l'impression, enfin, le sentiment que j'ai quand j'écoute BFM, parce que je peux même plus regarder, mais des fois on l'entend, quand on prend un petit déjeuner dans un hôtel, hélas, et qu'on peut pas faire fermer la télé, j'ai l'impression qu'on en est toujours là, quoi. Ça suffit, quoi. On est au 21e siècle. Donc, votre credo, c'est de dire aux gens, soyez souverains. Instruisez-vous. Allez chercher l'information. Trouvez la vérité. Faites-vous une idée par vous-même. Voilà. Ne répétez pas ce qu'on vous dit à la télévision. Ça, c'est mon credo. Pensez par vous-même. Je le dis à mes enfants, tout le temps. S'il y a un truc qu'ils vont se souvenir de moi, c'est ça. Je crois vraiment dans le réfléchir par soi-même. C'est vraiment important. D'ailleurs, Piero San Giorgio, comment va la Suisse aujourd'hui ? Pas très bien, en réalité, je trouve, parce que alors peut-être étais-je naïf avant, mais la crise du Covid et les lois liberticides que nous avons mis en place, et contrairement aux autres pays qui ont été acceptés par vote par la population, par peur, et avec pas mal de manipulations des médias et de sophismes jouant sur la peur et la crédulité, malheureusement, de la population, parce que la population a voulu bien faire, on a voulu ne pas contaminer les autres, on a voulu vraiment suivre et faire le bien autour de nous. Mais la population s'est rendue compte qu'elle s'est fait avoir, hélas, après le vote, puisque 60% de la population suisse a entériné les lois, car en Suisse, avec la démocratie directe, nous devons accepter les lois que le gouvernement, fût-elle des lois d'urgence, propose et met en place, donc nous les avons malheureusement acceptées. Ça, c'est le problème de la démocratie quand elle ne va pas comme dans ton sens. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les gens se sont rendus compte qu'il y a eu mensonge, ils se sont rendus compte qu'il y a eu falsification de données, se sont rendus compte que nous avons suivi des plans qui n'étaient pas préparés à l'avance comme ceux que nous avions. Nous avons également, enfin, cette prise de conscience que l'État ne veut pas du bien. Et ça, c'est une nouveauté en Suisse. Une nouveauté qui choque énormément la population. Alors, on verra bien comment ça évolue, mais certainement pour beaucoup on s'est aussi retrouvé dans ce confinement et puis ensuite dans tout le psychodrame qui a suivi avec ces piqûres de produits expérimentaux qui sont bientôt à leur terme, en tout cas au niveau du contrat, puisque ça se termine je crois en juin 2024. Alors, on s'est rendu compte qu'on a bizarrement quelque chose qui a augmenté la mortalité. Il y a énormément de crises cardiaques chez les jeunes, de cancer fulgurant, et les statistiques nous montrent, parce que les assureurs en Suisse sont une part importante de l'économie, c'est un grand pays d'assurance, ne sont pas très contents de voir 40% d'augmentation de la mortalité, parce qu'ils doivent payer. Et donc c'est une anomalie statistique absolument phénoménale, impossible à expliquer. Et donc des enquêtes sont en cours. Néanmoins, si notre devoir citoyen est bien sûr d'aller chercher les coupables, à l'échelle de l'individu, encore une fois, il faut accepter nos erreurs et travailler pour nous renforcer pour que la prochaine fois, on ne se fasse pas avoir. Et j'ai trouvé que, notamment, ben, puisqu'on parle de poésie aujourd'hui, Francis m'a fait part d'un poème qui m'a beaucoup plu dans ton recueil de poésie que peut-être tu peux nous lire. Je vais te le lire, mais si tu permets, il y a un poème dans mon livre qui redit en vers exactement tout ce que tu viens de dire et que j'avais dédié à mon ami, mon regretté ami Olivier Soulier. Et si tu veux, je ne peux pas résister là parce que j'ai envie de faire écho à ce que tu viens de dire. Ils ont eu beau nous dire que leurs injections nous immuniseraient de manière totale, sans effet secondaire, sans suite létale et protégeait autrui contre la transmission. Nous savons à présent que leur affirmation était fausse, que leurs injections sont fatales, et beaucoup l'apprendront d'une façon brutale en perdant qui des proches, qui des relations.
Sans parler, bien sûr, de la prolifération du virus qui s'aggrave, au contraire, et s'étale, et des séquelles sociales et comportementales que cette pandémie laisse aux populations. Chacun peut constater aujourd'hui, à défaut, et preuve en main, que ce qui fut dit était faux. Bilan de cette sombre manipulation, la surmortalité, la chute des naissances, chaque effet secondaire qui monte en puissance et dont le nombre aussi est en augmentation. Notre espèce à présent menacée d'extinction, le monde programmé pour son obsolescence, les droits du citoyen tous en déliquescence et la conscience humaine en pleine perdition. Pourquoi donc fallait-il qu'ainsi tout se dégrade et suive aveuglément cette voie rétrograde? Eh bien, ils nous l'ont dit à la télévision, saturant les esprits des mots que l'on y grave. Il fallait, laissons-leur cette ultime illusion, protéger nos anciens contre les formes graves. Cette illusion aussi, quand le moment viendra, quittera les esprits. Qui vivra le verra. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, le poème dont tu parlais, en fait, je te l'ai lu parce que je voulais faire honneur à ton livre. Mais la première strophe est magnifique, je trouve. Et pas les autres, alors? J'ai relu la première strophe. N'ayons pas peur. Oui, parce que c'est vraiment le sens du livre de Pierrot, c'est d'expliquer aux gens que, un, la peur n'efface pas le danger, et que je pense qu'au contraire, elle l'augmente, elle l'amplifie. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Cessons de nous soumettre à ces valets qui se disent les maîtres, et se comportent sans droit ni raison en serviteurs qui pillent la maison, et sans dessus, sans dessous vont la mettre. Nul ne doit donc, sauf à se compromettre, autoriser ses élus à commettre le coup d'État dont nous les accusons. N'ayons pas peur. La France est en prison. Il faut l'admettre. Et ses élus, qui croient tout se permettre, violent la loi dans tous ses paramètres, tant dans sa lettre, nous le précisons, que dans l'esprit. Et nous le refusons. C'est le message qu'il nous faut transmettre. N'ayons pas peur. Voilà. Le message que Pierre et moi voulons transmettre aujourd'hui. C'est un message biblique. Oui, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ce conseil. Vous pourriez l'incarner? Ah ben ça a failli arriver plusieurs fois. La première fois avec Jean Delannoy, dans son Marie de Nazareth, qui a été son dernier film, mais il a préféré me confier le rôle de Saint-Joseph. Et j'ai adoré incarner ce personnage. Et d'ailleurs, quand je jouais le rôle, j'avais tous les soirs ce que j'ai appelé des visions, parce que comme je ne fais jamais de rêve, et que là je rêvais tous les soirs que j'étais Joseph, et je rêvais à la première personne, comme si je vivais ce que je rêvais. Et le matin, au réveil, alors que je me souviens jamais de rien, même quand je frise un rêve, je me souvenais de toutes les images qui m'étaient venues à l'esprit. J'ai écrit un livre à la première personne qui s'appelle « Le journal de Joseph », où j'ai décrit toutes mes visions pendant que je jouais le personnage. Et donc là, du coup, j'ai pas joué le Christ. Et puis une autre fois, un autre metteur en scène voulait me proposer le rôle. Et puis, au dernier moment, la production a préféré un acteur plus, selon eux, bancable que moi. Et puis, après, mon ami Robert Hossein, aussi, a pensé à me confier le rôle. Mais je l'ai jamais joué. J'ai failli le jouer plusieurs fois, mais j'ai jamais joué. Jamais trop tard. Là, j'ai plus tout à fait l'âge du Christ. Je pense que j'ai plus tout à fait l'âge du Christ. Ouais. Non, il vieillissait beaucoup à l'époque. La vie était dure. Oui, voilà. Ouais. Ça va, bon pied, bon oeil, comme on dit. Moi, je ferais Ponce-Pilate, alors. Ponce-Pilate. Lorenzaccio, un bon souvenir. Fantastique. Ça a été une aventure extraordinaire.
Lorenzazio, c'est. Moi, j'avais joué Don Juan, j'avais joué Don Quichotte, j'avais donc un peu les extrêmes. Et là, finalement, c'était tellement intéressant pour moi parce que j'étais en plein combat politique. Et à la fois, je menais un combat politique dans la vie et sur scène, Lorenzazio conspirait contre le duc, quoi. Et bon, c'était une mise en scène de Manuel Olinger qui m'a mis en scène après dans Un tramway nommé Désir où je jouais le rôle de Stan. Et c'était un jeune metteur en scène extraordinaire. Et franchement, ça a été vraiment un grand moment pour moi sur scène, Lorenzazio. Si j'étais duc de Florence, je me soucierais d'autre chose que de ma cote, dit-il avant de le tuer. Comment ça se passe au niveau du trac? Le trac est une forme de peur. Comment ça se passe quand on est sur les planches comme ça? Alors, est-ce que le trac est une peur? Alors ça, c'est un sujet de philo, hein. Très large. Je ne pense pas que le trac soit une peur. Alors, en tout cas, pas pour moi, mais pour Yves Montand, oui. Hein. Je me rappelle que Yves me racontait que quand il allait monter sur scène à Paris, qu'il était en répétition, tous les soirs, il faisait des cauchemars où il rêvait qu'il avait un trou sur scène. Il avait une, enfin, vraiment, Yves est un garçon qui avait une peur incroyable. Ça se voit pas du tout, hein, tu le vois comme ça, rouler des mécaniques. C'était vraiment la peur consciente, hein, et conscientisée de se tromper devant le public. Voilà. Alors, moi, je vis le trac et j'ai toujours vécu le trac de manière physiologique, par des crises de vomissement, pardon, excusez-moi Comme Jacques si, Brel. ou de diarrhée, enfin, c'est des choses de physique, et en fait, qui sont exactement du même registre que lorsqu'on a le mal de mer. C'est pas rationnel du tout. Ça ne se greffe. Moi, je suis assez sûr de moi quand j'ai bien travaillé, quand j'ai bien répété avec mon metteur en scène. Alors, on s'approche de la scène et voilà, il y a quelque chose, cette espèce de brouhaha qu'on entend, les gens qui sont là. Tout d'un coup, tout ça devient vrai. Ils sont là. La conscience que des gens sont venus, ils sont partis de chez eux, ils ont garé la voiture, ils ont sorti un billet de leur poche, ils l'ont donné pour te voir. Cette espèce de sentiment de responsabilité, il y a un vertige et une réaction physiologique. Est-ce que c'est de la peur? Je ne sais pas. Parce que, en fait, ça ne s'oppose pas au fait que je sois sûr de moi. Et comme je suis un Les acteur, réactions que tu décris sont exactement des réactions physiologiques de la peur. de la peur. On Après, va dire que non, mais c'est ça intéressant. peut être de la sémantique, hein, Tu, mais tu, non, mais tu réponds à ma question. Donc c'est physiologiquement de la peur. tu sens des battements de cœur un petit peu augmentés, Bien le sûr, souffle le qui s'accélère. vertige, Pâleur peut-être même du visage, Ah, ça, j'imagine. c'est sûr. C'est pour ça qu'on se maquille d'ailleurs. Mais il y a un très beau texte de Jean Richepin qui parle de ça. Qui dit, mesdames et messieurs, c'est comme un fait exprès, rien ne marche. Tantôt nous pensions être prêts, on avait répété, chacun savait son rôle, celui-ci très tragique, celui-là très drôle, en parfaite harmonie, sans aucun désaccord, nous étions à notre aise, au milieu des décors, comme un poisson dans l'eau, comme une fleur dans l'herbe, c'était parfait, c'était charmant, c'était superbe. Soudain, au moment de lever le rideau, la scène nous paraît un horrible radeau ballotté par les vents, battu par la tempête, et nous ne savons plus où donner de la tête. Notre premier comique a le toupet, tout droit, de frayeur, l'amoureux transi reste si froid qu'en les frôlant à peine, il frappe les carafes. Le père noble fait des sourcils en paraphe, roule des yeux blancs et dépareillés. Bref, nous hésitons tous, stupides, effrayés, ahuris, et craignant la colique ou la crampe, devant la formidable aurore de la rampe. Ah, lorsqu'on est là pour la première fois, près d'affronter ses yeux braqués, et sous le poids de ce silence affreux qu'il faut bien que l'on trouble, on regarde ce gouffre en tremblant, on voit double, on voudrait fuir, se taire et ne plus se montrer, on sent là comme un chat qui ne veut pas rentrer. Que faire cependant? Il faut lever la toile. Ah, comme on resterait volontiers sous ce voile, mais le public murmure, déjà fait, ah, il faut se dépêcher. Alors un brouhaha s'élève, on crie, on court, on s'appelle, on se cherche. On embrasse un montant, on enlace une perche, on se serre la main en tombant dans les trous, on pleure dans le sein des pompiers qui sont doux, on passe son pourpoint en guise de culotte, on oublie sa perruque au fond de sa calotte, on se colle une barbe au front avec orgueil et l'on se met du rouge avec le doigt dans l'œil. Voilà, c'est un petit peu hein, Il voilà, décrit ses fantômes, c'est c'est des incroyable. symptômes. Mais conscientiquement, enfin en conscience en tout cas, je ne me dis pas que j'ai peur. Je sais que je suis en état
de faire mon travail, de bien le faire. Je ne me dis pas que je risque de mal le faire. C'est vraiment, comme il dit, on est sur un radeau ballotté par les vents et on a un vertige, comme quand on a le mal de mer, en fait. Voilà. Et est-ce que tu as développé des rituels pour te lancer juste avant d'entrer en scène qui font que ça passe? Le premier rituel, c'est de prendre des antispasmodiques. Voilà. C'est un rituel de la chimie élémentaire. Bon, et puis après, bien évidemment, la pratique de la méditation, de la contemplation, la prière aussi. Mmh. Et puis, le partenaire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus guéri du trac, c'est le trac du partenaire. Parce que comme je suis empathique, quand je vois mon partenaire qui est dans un état de fragilité, mon premier réflexe, c'est de le soutenir, c'est de le protéger, c'est de l'aider, etc. Et donc, du coup, j'oublie mon propre trac. Voilà. L'empathie, en fait, est un bon remède contre le trac. En parlant de textes classiques, comment va votre cheval de Troie européen, cher Francis? Eh bien, mon cheval de Troie européen se construit et nous avons une réunion samedi entre plusieurs grands groupes citoyens constitués pour envisager la constitution d'une liste unique. Et ça, c'est mon combat depuis tellement longtemps que je vis ce moment comme une fête. Et j'espère vraiment que nous y arriverons, parce que si tous les citoyens et tous les souverainistes se rassemblent sous la même bannière, je pense que nous allons déclencher un raz-de-marée politique, comme la France en a besoin pour faire un pas vers la démocratie. Vous auriez un message assez bref à envoyer à Monsieur Florian Philippot? Je lui ai écrit. Je lui ai écrit parce que j'ai lu dans un tweet qu'il a fait qu'il considère que son mouvement est le seul à œuvrer dans ce sens. Donc manifestement, il n'était pas informé du travail que nous faisons, nous, les citoyens non encartés. Hein, et je lui ai dit qu'effectivement, s'il était vraiment sincère dans ce qu'il disait, ben, il faudrait qu'il m'appelle le plus vite possible afin que nous discutions d'une mise en commun de nos ressources humaines. Très bien. Et de nos ressources tout court d'ailleurs. Absolument. Piero San Giorgio, comment va votre base autonome durable? Ben, elle sort de l'hiver. À 1000 mètres d'altitude dans les montagnes, les hivers sont parfois rudes. Cette année, c'était un hiver plutôt doux, mais ça arrive souvent. Et j'attends la fin du risque de gel pour planter la récolte de l'année prochaine. Ce qui sera la récolte de cette année, j'espère. On a commencé à préparer le terrain. Enfin bref, le sain travail physique de celui qui aime la terre, celui qui aime travailler et enrichir cette terre qui nous fait vivre, j'y suis en plein dedans. Donc là, cette semaine parisienne a fait que j'ai les mains propres, sans terre, mais je vais les remettre dedans dès lundi. Et puis, voilà, les choses se passent bien. Cette autonomie et cette résilience que l'on développe par le travail de la terre. Alors, moi, je n'ai pas d'animaux directement. J'ai des voisins qui ont des animaux sur mon petit terrain, dans ma ferme par moment. Bref, ce travail, il nous relie de nouveau à la réalité, c'est-à-dire que la terre nous nourrit, la terre nous apporte la majorité de ce qu'on a besoin, et elle nous impose également la nécessité du lien humain qu'on a avec, justement, les voisins qui font venir des moutons paître sur ma prairie que je n'utilise pas, sinon, ce qui m'évite de couper l'herbe moi-même, donc eux s'en occupent. Ça me permet aussi de comprendre que voilà, il y a des moments où il faut planter les patates et d'autres où il faut mettre des radis et d'autres où il faut mettre des salades et d'autres où il faut préparer la serre. Ça sera le travail de la semaine prochaine, parce qu'en serre j'ai déjà mis des plantons, j'ai déjà mis des plantons pots qui ont un système d'arrosage rudimentaire mais automatique. Simplement, j'ai mis des bouteilles inversées dans la terre en terre cuite pour que par osmose elle puisse continuer à arroser les plantes alors que je n'y suis pas. Le poulailler est prêt pour recevoir les poules de mes amis, donc ils vont pouvoir venir prendre des œufs frais avec beaucoup d'espace pour les poules. Donc bref, on essaie d'avoir une vie en réalité. Et en situation difficile, on parle de survie bien sûr, mais dans un temps normal, c'est une vie agréable. Quand mes enfants étaient petits, ils gambadaient dans les prés. Donc là, ils sont un peu plus grands, mais ils vont revenir pendant les vacances de Pâques. Donc
On va faire de la marche, on va aller dans les bois, on va essayer de voir si on arrive à découvrir des chemins qu'on ne connaissait pas, des grottes à explorer peut-être, pour aller cacher de quoi résister si l'État devient tyrannique. Mais plus sérieusement, on essaie aussi de vivre avec le cycle de la nature, le cycle des saisons, avec nos voisins, on va fêter Pâques dimanche et lundi, parce que c'est une belle fête, et puis c'est aussi le début du printemps. Coïncidence, n'est-ce pas? C'est pas une coïncidence, c'est bien entendu voilà, Noël, c'est le moment où les jours renaissent dans l'année, où commencent à se rallonger. Il y a des symboles religieux, mais il y a des symboles cosmiques en même temps. Des symboles liés au cycle cosmique, je veux dire. Et donc là, c'est une période qui est belle parce que c'est vraiment la fin de l'hiver. On en a un peu marre du froid et de la neige. Et on va pouvoir commencer à bosser, parce que quand il neige, on peut pas travailler dans le potager. Chacun s'adapte. Si vous êtes en Dordogne, c'est autre chose. Vous avez d'autres choses à faire pendant l'hiver. Mais pour nous, l'hiver, c'est le moment où j'écris beaucoup. C'est le moment où on se chauffe avec le bois qu'on a accumulé l'année précédente, ou plutôt 2 années avant. Et voilà. Donc, s'il y a ce bonheur que j'ai quand je suis dans ma ferme, j'aime bien venir à Paris, hein, mais j'aime bien retourner dans ma ferme demain soir. C'est notre Cincinnatus, en fait, Exactement. il refuse les honneurs pour aller travailler la terre. Hein? Voilà. C'est un personnage qui est admirable, Ah oui, Cincinnatus. Cincinnatus, c'est admirable. 3 fois dictateur de Rome, adoré des soldats romains et des cavaliers romains, et qui 3 fois a rendu son mandat de dictateur après avoir accompli sa mission pour aller cultiver sa terre, parce que rien au monde ne l'intéressait plus que ça. Il y a même ses fils qui ont à un moment donné été pris dans des intrigues où ils ont C'est été vrai. dépossédés de leurs biens. Il ne s'est jamais rebellé contre la patrie. Il a accepté même l'injustice et il a toujours été guidé par son amour de la terre, cette terre de Rome qu'il a défendue et qu'il a cultivée. Je fais penser à Cincinnatus. Pour conclure ce bel entretien, finalement, vous êtes deux amoureux des mots et de la terre. Oui. Et pas que, mais sans doute ça, en tout cas. Oui, mais les mots et la terre, j'aime bien, moi. Quand j'étais petit, c'est avant d'écrire sur des feuilles, j'écrivais sur la terre, moi, quand j'étais petit. Ouais. Moi, je dessinais. Pour mes enfants, on allait à la plage à Oléron, qui sont des grandes plages de sable, et on passait des journées entières à dessiner des animaux avec un petit bâton sur les plages. Et il y a ce côté un peu mandala où la mer va de toute façon tout emporter. Et donc les enfants rigolaient parce qui me demandait de faire un lapin, et puis on jouait à reconnaître. Donc écrire sur la terre, sur le sable, c'est une première étape. C'est une belle étape de. Et puis il y a ce côté éphémère qui est. Voilà, ces dessins n'existent plus, ils sont partis à jamais. Mais ils restent dans la mémoire, j'espère, de mes enfants, en tout cas, ils restent dans la mienne. Comme dans la chanson de Noir Désir, le vent l'emportera. Belle chanson. Magnifique. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Stéphanie.